avoir pris en charge les obsèques de notre collègue, de notre papa. Ceci marque encore une fois l'importance des collègues et frères du groupe Salongo, des collègues artistes comédiens, des collègues culturels, te resteront reconnaissants. Et ensemble, nous te disons, va en paix, avec honneur, le tien et ton pays t'honore aujourd'hui. Je vous remercie. Papa, ajoutez un petit mot. Merci. Le petit mot que nous ajoutons, c'est un mot de gratitude à l'endroit du gouverneur de la ville, son Excellence Gentini Ngobilambaka, qui n'est pas resté insensible au drame que vit la famille biologique et artistique. Merci, monsieur le gouverneur. Et nous disons. Et en ce jour, nous invitons le directeur de ressources humaines de la télévision nationale, le ministre Landou Kwaku, pour la note biographique au Kwedi. Et nous saluons en ces lieux l'arrivée de Monsieur le Président du Sénat, l'honorable Modeste Bati Lukwebo, homme de culture, qui a toujours été aux côtés des culturels. Et en ce jour, il arrive à la RTNC pour rendre hommage lui-même à Kwedi Maïkutu, artiste comédien du très célèbre groupe Salongo. Pour l'heure, je donne la parole à Monsieur Landou Kwaku. Aina sa tomo ina pese kwae.
théâtre de chez nous, Oyo, na Utkutanga, sans musique ya mboka na biso, Bele, Mingi, Kouma, na Bamboula, Oyo, nous allons pour Nanana Yango, D. Sengeli, reconnaissance, Makasi, Kizana, Maver, na Bamboula. Voilà, Loko, na Masenga, Bala, Kinshasa, Monsieur Kouedi, Papa Kouedi, voilà, photo Dieu a donné, Dieu a repris et son nom soit tout simplement glorifié. Encore une fois, merci à vous tous qui êtes venus nombreux pour rendre un dernier hommage. À cet acte. Que la vie m'élève en célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Honorable président du Sénat, Modeste Bahati Loukobo, homme de culture qui a tenu personnellement à rendre hommage à Kouedi Maïputu Daniel Claude. Après le président du Sénat, très respectueusement, nous invitons Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors, Jean-Michel Samma Loukote Tiengé, pour le dépôt de sa gerbe. Toujours à Nathalie. J'annoncerai. Le Premier ministre s'est fait accompagner, bien sûr, des membres du gouvernement ici présents à ses obsèques. Nous avons tout à tour à ses côtés notre ministre Patrick Muyaya Katemboué, le ministre de la Culture, Madame Catherine Katumufura, et le ministre du Tourisme, Odero Simba. Les trois warriors accompagnent le chef du gouvernement, Jean-Michel Samma Loukote Tiengé. Après le chef du gouvernement, Jean-Michel Samma Loukote Tiengé, ainsi que les membres du gouvernement des Warriors qui l'ont accompagné, nous invitons le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Mbaka Ngobila, qui se fera accompagner de son vice-gouverneur Gérard Moulumba pour le dépôt du gerbe de fleurs au nom des Kinoises et Kinois. Makasi, le jour où on a reçu un message que okay, vieux maïe n'est plus, ah, ce n'était pas bien, et ça n'a moins bien été. Bon, en fait, n'a y est pas qui bon là, je savais que le vieux était malade, et par après, du coup, n'a aucun côté coma, et que et coma tire jusqu'à ce que oh, le vieux n'est plus bon, fait à son âme, et ça n'a pas si pour perdre Baobaneti vieux Kouedi. Donc, je peux dire que le professeur des élèves est parti. Quand le professeur des élèves est parti, allez-y comprendre que ça nous a nini. Donc, vraiment, nous les élèves, ça nous fait du mal. Tout ça, on a passé dans mon thème. Merci beaucoup. Comment dit ta partie Kibiso?
De ce côté-là, vous pouvez rectifier un peu. Mm-hmm. Les Arabes sont dans un bon côté. Nous sommes ici, la gare de cinquantenaire. Si vous entrez à l'intérieur, dans la morgue, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens, Bakoufi, ce ne sont pas des acteurs, pas comédiens, mais la mort est un phénomène moko un peu mystique. C'est un mystère. Yo, Nanga, là, ma technicien, ma caméraman, donc, quand ça arrive, les bêtes n'apportent pas, ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, Ezali, gloire à Dieu. Kumisara Nzambe. Et nous aussi, les comédiens, donc Kumisara Nzambe, gloire à Dieu, Dieu a donné, Dieu a repris. Bon, nous surtout, et les Kanakimia. Et les Kanakimia, par rapport à l'organisation de Baleli, par la présidence, oui. C'est l'icône, vraiment, c'est un baoba. Et c'est pourquoi, pour moi, Matango, yo, il y a de l'ordre. L'ordre, oui. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons, la manifestation. Et la fête. Et il faut qu'il y ait de l'ordre. Là où il y a de l'ordre, il n'y a pas de problème. Vraiment, un coup de chapeau. D'abord, en commençant par l'RTNC. Et premièrement, nous allons remercier la République qui dit que notre président, le garant de la nation, Fatih Béton, bon. Il a reconnu, reconnaître. Ils ont vraiment. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Mais, et si la carboïté, il y a encore icône, il faut bon, penser en collaboration avec le ministère de la Culture, bon, honorer bon, à titre posthume. Bon, c'est la carte qui va couffa. Oui, merci beaucoup. Premièrement, permettez-moi de remercier moi, mes scènes, maman Chantal la couturière. Maman Wana, à chaque fois, nous les acteurs comédiens, ce sont dans ma tanga, Chantal Mbakusu, moi si Papa Fali Mouvia, tout le temps, tous les Anaïe, de gauche à droite, tous les dans Maman Wana. Vraiment, coup de chapeau, Maman Chantal, coup de chapeau, la bah, diaspora Nyonso, ma collègue Nabiso Alibanda, vraiment, nous avons senti, hein, tout à l'heure, image. Témoignage, nous avons senti que diaspora motivée à Maman Bomengo, Molaï, Maman Mabéné, tout comme ça. On sent que tout le monde te a au four au moulin. Et pour la famille, à Papa Kouidi, le vieux Maïen n'est plus. Yo noko, yo tata moi sur Maman Lik, Kotisande Bolingo. Kotisa Bolingo. Là, c'est un problème familial. Nous, nous ne sommes pas dans votre famille. Tous appelés Nati, Nati, tu es ma kamaka, ta famille Nabino. Nous, biso côté artistique, tout salut à biso Moussala, viens à Keïna Kima, mais vous allez rester. Nabana, Nabatata, moi je ne vais pas parler avec Manil, beaucoup de sabolingo. Soit disant, Ali Kamoubo et Bimoni, arrangez-vous, dans le niveau famille, évitez, il y a quelqu'un de ça, il va compte à rendre devant ma caméra. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Et là, de côté qui est la famille, tu vois. Ça diminue là-bas. Non, moutonne, couvre-moi là. Hein? Évitez ma compte à rendre. Si vous avez des comptes à rendre, allez-y, traitez ça au niveau familial. Nous, côté artistique, vraiment, grand merci, courage, félicitations. Et je jette des fleurs à NTPC. Les associations dans le théâtre populaire et cinéma. Ils ont dirigé les responsables, Yala Gayala et les autres. Vraiment, grand merci. Vraiment, et Kumbeli au lieu de Olinga. Toi, améliorer Kumbeli en haut, n'a pas ma cambo, ça a ma tangate, n'a pas ma cambo, belé, tout ça a car à la barre. Maman dit taper, vas à la morgue, tout le monde a bolingo, les arcades, maman dit ça à bien. Maman dit ça à la morgue, bolingo, ma bende à la organisation, la bende à la moutou, ma casse, aïe bolingo, thé, bolingo, des arana, quatre à moutou, à qui tu vas en haut, à Bimisarango. Maman dit, il est besoin de la mort. Moni Bolingo, tu l'as pas vieux Mayen. Tu copes sa comparaison, tu es que Moni yé. Maman dit à Kokundama, à Yatna Goumzoï, à Kokundama, à bonne et difforme. À Kokundama, paix, Kimia, pour moi, ma communion sur le cas, à Kimia. Oui, merci beaucoup, papa Loulou. Merci, c'est bon. Qui a dit aux comédiens de s'habiller en blanc-blanc? Et c'est là manifeste Ezo Laksabiso que le col atola ti pembe mité manabiso pesa la pembe et soukwama enfin que bolingo au pasteur Serge Atea Kibiso la fois passée ezala vraiment concret na mité manabiso. On doit s'aimer et on doit être ensemble pour l'évolution ya théâtre
et à cinéma congolais. Ndeka balobaka lokoni moko iko iko pelisa moto makasite sinon ils allent ensemble. Donc soit toza lokola biso yo so ensemble to ko iko sala une motion to yena ngope na parlement to sali pétition na biso to yena ngope na parlement ba voter loi moko pour les comédiens que nous sommes et nous nous voyons abandonnés. Mais est-ce que nous avons déjà fait les pas? Non, peut-être. Alors pour ça la pas to rekene en ordre dispersé, tu reconnais un ordre moko sous un mot d'ordre, mais c'est tout à ta pépembe boué. Ce qui mot d'ordre moko et salami à bongo pour la survie des comédiens, tu salis une pétition, tu kenango na parlement, tu cotises li bango, ba voter une loi pour les comédiens, hein, pour la sécurité à ba comédien, ça nous sera dispensable. Donc que Dieu nous fasse grâce. Non, dernière question, vous vous voyez abandonné. Abandonné par qui? Est-ce que vous avez habité ou vous avez que notre travail est mal rémunéré? Parce que tant que vous avez dit 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 que c'est par rapport à quoi? Il faut appeler les chiens par son nom. Non, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à tout ce que les gens disent. Nous nous sommes abandonnés, nous sommes laissés à notre triste sort. Vous êtes abandonné par qui? Oh là là, je l'ai dit, tout le monde l'a dit. C'est ça, non? On les a balisés, mais il faut éclaircir. C'est une question. Est-ce que nous avons balisé c'est A? Je ne parle pas en parabole. C'est que les gens disent que les comédiens sont abandonnés. Tous les comédiens le disent que par nous sommes abandonnés. Oh là là! Si on dit que vieux jaloux, l'endroit n'est pas propice. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Qui a dit aux comédiens de s'habiller en blanc blanc? Et cela manifeste Ezolaksabiso que le Kolatola Tipembe. Mité manabiso pèse à la pembe et soukwama, enfin que bolingo au pasteur Serge Atea Kibiso la fois passée, et à la vraiment concret, na mité manabiso. On doit s'aimer. On doit s'aimer et on doit être ensemble pour l'évolution ya théâtre pe ya cinéma congolais. Ndeka balobaka, lokoni moko iko iko pelisa moto makasite, sinon ils allent ensemble. Donc, soit tous les locaux, la bisoyon sont ensemble, tu crois que ça a une motion, tu y es dans le parlement, tu sali pétition, tu y es dans le parlement, va voter loi moko pour les comédiens que nous sommes. Et nous nous voyons abandonnés. Mais est-ce que nous avons déjà fait les pas? Non, peut-être. Alors, pour tout ça, la pas, tu reconnais un ordre dispersé. Tu reconnais un ordre moko. Sous un mot d'ordre, mais c'est tout à ta pépembe boué. Ce qui mot d'ordre moko et salami à bongo pour la survie des comédiens. Tu salis une pétition, tu kenango na parlement, tu cotises li bango, ba voter une loi pour les comédiens. Hein? Pour la sécurité à ba comédien, ça nous sera dispensable. Donc que Dieu nous fasse grâce. Ndeto la tipembe. Non, dernière question, vous vous voyez abandonné. Abandonné par qui? Est-ce que vous avez habité ou vous avez que notre travail est mal rémunéré? Parce que tant que vous avez dit 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 nous sommes abandonnés, nous sommes laissés à notre triste sort. Vous êtes abandonné par qui? Oh là là, je l'ai dit, tout le monde l'a dit. C'est ça, non? On les a balisés, mais il faut éclaircir. C'est une question. Est-ce que nous avons balisés? Je ne parle pas en parabole. C'est que les gens disent que les comédiens sont abandonnés. Tous les comédiens le disent que par nous sommes qui? Abandonnés. Oh là là! Si on dit maintenant que vieux jaloux, l'endroit n'est pas propice. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
vous. Merci. Merci de tous les services rendus. Merci pour toutes tes œuvres. Merci. Tu as été formidable sur scène. Merci. Tu as été épatant. Merci, Cody. Merci pour tout. Bravo. Bravo.
Oti Gazela. Mon zélé et autres ont laissé cet héritage.
artistes réalité, des agents et cadres de la télévision nationale congolaise, RTNC. Sont-ils condamnés à ce sort dans leur pays? Massomo, Masasi, Alinga, Bolingo et les autres savent déjà ce qui attend leurs orphelins et leurs familles. Excellences, mesdames et messieurs, je ne peux terminer mon mot sans souligner ce grand apport, non moins important,